Bonjour internautatrice et internautateur, ici Galden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative. L'initiative, j'ai du mal à la prendre vraiment. On est à la lutte sur ce qui se passe en Union Européenne. Donc ce que je vais faire, j'ai les serviteurs qui... Enfin, j'essaye de prendre le contrôle de l'Union Européenne, mais j'y arrive pas. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais essayer, en fait, de booster l'espionnage de... J'ai trois personnages, j'ai trois conseillers qui peuvent faire de la purge. Donc, je vais dépenser mes sous pour faire en sorte... Bah, de les améliorer au mieux. Est-ce que j'ai des organisations qui me donnent de l'espionnage? Non. Est-ce que je peux acheter des organisations qui me donnent de l'espionnage? Certainement. Je n'ai pas grand choix. Celle-ci, un gouvernemental. Toi, tu es criminel. Tu n'es pas gouvernemental. Et j'ai Ita qui est gouvernementale, elle. Alors, du coup, en persuasion, t'es à la limite. Tu vas lâcher un peu de ça. Plus 2, plus 7, plus 2 que ça. C'est la merde. Allez. Hop. Là j'ai un plus 1 en espionnage ici et un autre plus 1 là, mais ça me prend 3 d'emplacements. La DGSI ça m'intéresse pas. Le MI6 il me faudrait un point de plus. Il me faudrait un point de plus. Est-ce que campagne publique? Pareil, celui-ci, je m'en fous. Oh là 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 là. Franchement. Eh ben allez, go pour le MI6. De toute façon, c'est que des stats intéressantes. Hop. Et du coup, j'ai encore... un point que je peux prendre, ce sera les tigres sibériens. C'est pareil, de toute façon, tout ça, c'est des trucs gouvernementaux. Hein. Ouais. Donc, elle a 14 en espionnage. Franz Kruger. Alors, toi, tu peux prendre du criminel. Criminel, donc là t'as un plus 1. Le Hezbollah, je peux pas le prendre. Mais c'est plus limité déjà. Plus 1. Pas ouf pour un 2 étoiles. Et là c'est gouvernemental. Celui-ci, il est bien, les 5% de... Donc, je vais peut-être me laisser tenter quelque part. Alors, j'ai besoin de 2 étoiles. Tu vas lâcher ça. Ça, franchement, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà, un point. Toi, est-ce que j'ai besoin de toi science de l'espace recherche, c'est bien. Là, j'ai du commandement. Là, j'ai de l'admin et de la persuasion. Elle est pas mal, celle-ci. Mais elle est pas mal. Je vais peut-être juste la détacher. Sauf qu'attends, est-ce que j'aurai assez d'admin ensuite? 13 et 13, 26. 26. Si je l'enlève, j'ai plus assez. Alors... celle-ci, elle est indispensable. Je vais peut-être la détacher pendant un temps.
lui garder ses stats de commandement quand même. Je vais la détacher et je la réattacherai un petit peu plus tard. Celle-ci, je vais la garder. Celle-là, j'ai un 2%, c'est pas ouf. Mais là, toc. On arrête de déconner. Bah, je vais prendre celle-ci à la place. De toute façon, j'en ai besoin. Je dis que je voulais la prendre tôt ou tard. Et c'est la seule qui me permet dedans d'avoir de l'espionnage en plus. Donc il a que 12, bah on fera avec. Ou on fera pas, on verra. Donc Citron, tu vas me blinder ça. Pour essayer de conserver le point d'exécutif. Et donc Franz, 2%. 15%. Removing our enemies. Uta. Dominating the opposition. Dashus, c'est sur lequel que je t'ai mis. Sur celui-ci. 94%. Terminating the opposition. Your orders. Et attends, il a essayé de maintenir les efforts. Alors, il y a un truc que j'ai jamais fait, mais que je vais faire. Parce que, quand même, c'est chiant de devoir le programmer à chaque fois. C'est les modèles prioritaires. Qu'est-ce que je veux principalement en général? Je veux du bien-être, de l'économie, du savoir, de l'unité, et c'est tout. Tout le reste, je m'en cogne. Donc, ça c'est pour tout ce que je veux garder. Pays gardé. Ah si, j'avais un on garde, tiens. Et bien, pays gardé, hop, et on va le définir comme valeur par défaut. Même plus que c'est que on garde. Donc, hop, on garde. Je l'ai pas fait. Si. Pourquoi tu me l'as pas fait? Non, c'est pas on garde, c'est pays gardé. Pays gardé. J'ai l'impression que j'ai pas enregistré. On garde. Tiens. Hop. Ok. Si je l'ai sauvegardé. Alors non. Tac. Il est où? On garde, je veux le supprimer. Voilà. Tac. Donc toi, c'est pays gardé. Voilà. Comme ça, ce sera que des trucs intéressants. Hop. Je l'ai bien supprimé. Du boost, je l'ai supprimé aussi. Voilà. Ok, c'est bon. Très bien. Allez, et ben, il y a peu de chances que ça passe, que je récupère les trois. Très très peu de chances. Lending my expertise. Securing our interests. Ah putain, il a blindé. Fuck! Putain, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, hop, armée détruite à Sofia, très bien. Comme quoi, même une, ça suffit, en fait. Hop, non, là. Public sentiment is increasingly with us. Alors, Pékin.
Alors, celle que je contrôle moi. Hop. Voilà. Eh bien, il l'a fait tout seul comme avant. Initiative, ouais, il se déplace. Non, je vais le renvoyer. Hop, retourne là. Voilà. Hop. Panzer Division. Bon, sinon, je la laisse se détruire. Je vais la laisser se détruire. Attends, là, il en a 3. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais faire ça. Attends, ça c'est la mienne qui est sélectionnée. Non, c'est pas la mienne. Ok. C'est vraiment bizarre, hein. Il y a un bug au niveau des sélections. Ouvrir la chair. Hop. Pourquoi je l'ai pris celui-là en favori celui-là? Pourquoi je l'ai pris aussi celui-là? Bien. Saleté. Alors, missiles, je pourrais en prendre quelques-uns. Est-ce que j'en ai qui amène fichiers obsolètes? Est-ce que j'ai des missiles que j'ai mis en obsolète? Prendre histoire de pouvoir vous montrer ça. Je vais prendre par défaut le plus cher, même si c'est peut-être une connerie. Hop. En fait, il y en a un que je considérais comme étant le meilleur dans les missiles. C'est le c'est lequel? C'est le Contortrix, mais il n'a pas voulu me le donner. Sur les missiles T2, je sais pas quel est le plus intéressant. Ouais, tous les autres, c'est aléatoire. Les missiles. Allez, cherche-moi le Viper. Histoire que j'en ai un très d'entrée. Fin de la fédération. La UED a quitté la fédération. C'est pas un problème. Varsovie, ok. Bah oui, forcément. Putain. Là là, il en a quand même, il en a défendu aucun à aucun autre moment. Ça faisait plusieurs tours qu'il défendait pas. Et là. Et ben là aussi, quand on t'a plusieurs fois le même, hein, t'es content. Bit. The opposition remains in power. 3% de chance. 2% de chance. Youhou. Ah oui, c'était rapide. Bon. On va améliorer nos... C'est quoi ces 10 000? Quel envers super lourd. 4 points d'emport. Wow. Ouais, je vais en chercher un.
Allez, Panzer Division détruite. Ça, c'est fait. Bon. Oh, déconne. Ça, je m'y attendais pas du tout. Saloperie. Bon, bah, c'est répression. Suicide, il faut surtout pas qu'il ait. Je sais pas si ça suffira. Ready to go. Targeting the opposition. Qu'est-ce qu'il peut faire de l'investigation? 15. Je me doute un peu de qui t'es toi. Je m'en doute un peu. Toi, t'as pas de fouille. Non, t'as pas de fouille. Gear up. What's the op? Headed there now. Attends, ceci dit. Oui, parce qu'en fait, quand même, ils se font défoncer. Vraiment. Mourir. Ça, je m'en mets sûrement. Eh bah tiens, tu m'étonnes. Comme si je m'en doutais pas. Hop. The people will come to our side. Crackdown complete. By the numbers. Here's what we found. Our people have taken control. Oh putain. C'est pas possible. Je vais pas y arriver. Hein. Ouais, tant qu'il est là, lui, c'est. Oui, oui, je sais, t'annules les avions. Toi, je sais, comme j'ai rien refait, il y en a un petit peu moins. Ready for orders. Écoute, je vais essayer de me prendre celui-ci. Mine de rien, ça commence à coûter. Alors, on va essayer de faire autrement. On va faire. Hop, ça, on va le prendre. Et du coup, Franz, tu vas essayer de choper celui-ci. C'est une purge, ouais. Sur... En espérant que le crackdown fonctionne. Et Ita, bah, tu vas continuer du coup de l'espionner lui. Investigating target. Ready. Et toi, tu sers définitivement à rien en dehors de du conseil. Bon, tu le fais très bien, hein, mais mine de rien, il y a juste un commandement où c'est quand même vraiment, vraiment léger. D'ailleurs, je pourrais peut-être lui en mettre un petit peu plus. C'est quoi? Espionnage, je pourrais. J'ai des sous, autant que je m'en serve. Investigation. Tac, système de défense de la sécu. Médecin en chef. Ouais. Je pourrais lui rajouter quand même un peu de commandement. Bah non, je m'en fiche puisque je. Le commandement est utile.
que si on met du... que si on développe le militaire dans le pays dans lequel on fait du conseil. Donc je vais continuer de booster ça. La sécurité, parce que quand même, je préférerais s'il arrivait à vivre. Offering assistance. Je suis un grand sentimental. Bon, et plus plantes là, non, c'est bon. Offering support. Nothing unusual found. Ah. Heureusement, c'est pas un échec critique. Mais merde, quoi. Public opinion is moving in our direction. We've hit them where it hurts. Ah putain, il l'a blindé aussi. Pas possible. Et moi, je l'ai pas défendu, mon point. Mais putain, quel con! Oh mais non, sérieux. Sérieux. We are in control now. Bon. Vas-y, move toward Pekin. Ah, ça y est, il s'énerve. Il s'énerve parce que donc le fait de s'attaquer aux serviteurs, ça lui plaît pas. Donc Ardarin va se faire attaquer. Alors, j'ai rien pour me défendre, mais c'est un peu normal. L'idée, c'est que quand même globalement, bon, sachant qu'on est en 2034, hein, donc le jeu est quand même déjà pas mal avancé. Quand il trouve qu'on devient un peu trop menaçant, il finit par nous attaquer. Et pour ce faire, bah, il va détruire des stations spatiales ou bombarder des bases orbitales, enfin des bases sur planète. Donc c'est pour ça que j'ai mis des défenses en fait sur toutes mes bases. Alors ça suffit pas toujours, mais alors Ardarin par exemple, qu'est-ce que j'ai sur Ardarin? C'est voilà, vous êtes en droit de vous demander pourquoi est-ce que depuis un certain temps, je parle de système de défense. Eh, j'en ai qu'une seule ici. Alors, je sais quelle est l'erreur. Je sais quelle est. Et je sais pourquoi il s'attaque à celle-ci précisément. C'est parce que justement, il n'y en a qu'une seule. Alors, l'erreur, c'est que j'ai laissé des réseaux solaires. Et ben, donc on va. Hop. Je vais vous expliquer. Donc, là, j'en ai mis deux sur toutes. Sauf sur celle-ci, parce que les centres de recherche énergétique coûtent plus d'énergie que si je prends les centres de recherche Xeno, qui coûtent 20, alors que là, ça coûte 32. Donc du coup, comme j'avais plus d'énergie dépensée, bah, je pouvais moins faire autre chose. Donc là, ce que j'aurais pu faire, c'est en fait remplacer mes réseaux solaires par énergie, par ceci, les Heavy Fission Reactor Array, qui font plus d'énergie. Hein, mais mon réseau solaire ici fait 42, là ça fait 64. Donc j'aurais pu en mettre moins pour faire autre chose. Donc on va faire ça. Alors, ce que j'avais fait sur mon autre partie, parce qu'en fait le problème c'est que du coup ça me nécessite bah, de diminuer mes apports en recherche, ce qui n'est pas génial, c'est que je le faisais petit à petit, mais là je vais peut-être le faire d'un coup, tant pis pour la recherche pendant 90 jours, ça fait 3 mois où je fais un peu moins de recherche. C'est bon que j'ai fait. 1, 2, 3. Tout ce qu'il faut, c'est que j'en garde 2. Donc je vais les remplacer. Je vais remplacer 3. J'en garde 2 pour laisser opérationnel justement les réseaux de défense.
Et mine de rien, ça fait le taf, hein, les réseaux de défense. Donc tant pis pour la recherche pendant un temps. Ardarin, je vais le laisser tel quel, je vais voir ce qui se passe. Parfois, ça suffit. Parfois, les systèmes de défense, en fait, permettent de vraiment lui défoncer la gueule. Tiens, je me rends compte là, que je pourrais même utiliser mon boost, hein, ça me coûte pas plus cher. Ça évite de me dépenser des ressources, bon, qui sont pas... Oui, c'est pas ouf. Mon boost, mais mon boost me sert plus à rien, donc... et mon argent, j'en ai... off. Ouais. Tac. Donc là, on va faire ça. Hop. Celui-là, il me coûte 20 aussi. Tac. Je vais activer ça pour ne pas avoir à valider à chaque fois. Ceci coûte 20. Tac. Ici, ça coûte 20 aussi. Mangazor. Ah tiens, pourquoi est-ce que... Ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans le coin. Là, j'ai pas de défense, mais c'est quoi, non, débile. Oh my god. J'ai pas de défense. Ok. C'est bien, GG. Ah si, j'ai des défenses. Ah oui, j'en ai une. Ouhou. Une de niveau 1. Ça dépote. Tac. Bon, j'en aurai deux, puis on verra quand les autres seront construites. Ici... Celle-ci coûte 12. Alors là, pour le coup, ça me... je pourrais en garder certaines actives. Pourquoi est-ce qu'il m'a désactivé celle-ci? Damn. Le désactiver. Ouais, c'est que je préférais qu'il me garde le réseau de défense. Ah oui, c'est que j'en ai deux. Eh oui, d'accord. Pourquoi avec ces deux? Pourquoi désactiver? Je peux pas juste. J'aimerais pouvoir... Ouais. Et ici... 24, alors là c'est aussi pas tout à fait la même du coup. Hop. Si, non mais normalement c'est bon. De toute façon avec deux réseaux solaires, je... J'alimente deux réseaux de défense. Voilà. Donc, bah, on verra quand sa flotte va me tomber dessus. Normalement, je vais avoir ma base qui va être détruite. Hein. Non, je vais pas la sauvegarder, je la referai. Je la referai de zéro parce que du coup, elle est mal équilibrée. Non, c'est pas Mangazor, c'est... Ardarin. Désolé, Ardarin. Hop. Alors... Bon... Ah bah d'accord, elle est déjà là. Eh bien, acceptons. Donc là, voilà, il m'attaque. Lui, il a 600 d'attaque, moi j'ai 103 de défense. Hein. Normalement, ça suffit pas. Alors, je pourrais vous montrer... En temps réel, comment ça se passe? Franchement, les combats avec juste une station, ça présente aucun intérêt. Parce qu'en fait, il n'y a aucune commande qu'on peut faire. C'est juste du temps à passer. Donc, je vais faire résoudre automatiquement. Je vous montrerai plus tard comment ça se passe. Voilà, il m'a détruit... Alors, il m'a détruit le réseau de défense. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément la détruire, mais en général, il la détruit. Surprise.
Hop, oui, je sais, j'ai chopé des armées. Tac. Hop, la rivalité prend fin, je m'en fous. Bon, citron. Bah, crackdown ici. 128. Targeting their center of power. Et Dachus, Ready for my mission. t'es sur la bonne. Standing by. En investigation, est-ce que j'en ai d'autres qui sont corrects? Investigation 15, 25, 15, 2. Ouh, ouais, donc c'est Ita qui fait mieux le taf. France, Francine, Françoune, Françoune, Francinatra. Bon, il faut que je fasse un tour de mes pays parce que là, il y a de la plante partout. Hop, voilà, voilà. Voilà. Je prends zéro dégâts, quoi. Tant mieux. Comme ça, je vais diminuer le nombre d'armées. Ça va diminuer sa liberté des mers. Peut-être qu'avec un peu de bol, j'en suis au du bâtir la marine. 60... 65 sur 100, c'est long de construire une marine. Ah merde, et je perds. Il y a trop d'agitation. C'est chaud, bordel! Va diminuer l'agitation ici, Coco. C'est plus important que la gestion des temps. J'en suis où de mes autres pays là? Autoritaire, ça monte. Compétitif, ça va, c'est équilibré. Et là, je suis presque à 8. Et par contre, ouf, là aussi, ça monte. Ready for order. Brilleux. Putain, je peux rien. J'ai besoin de tout le monde en fait. J'ai vraiment besoin de tout le monde pour arriver à garder le. Peut-être qu'un coup d'État aurait été plus malin. Et c'est compliqué aussi à faire mettre en place les coups d'État. Hein. J'avais plus ou moins essayé de faire ça en Inde précédemment. J'avais vu que c'était quand même vraiment chaud chaud. Et ben go. Hein. Voilà. Bon, Ardarine détruit. Alors, dans ce cas-là, tout de suite. Hop. Parce qu'en général, il n'en détruit pas 50 000. Comme j'ai besoin que mes. Top. Petit rappel sur les orbites. Hein. Ah, tiens, il y en a deux qui peuvent être construits en orbite terre basse. Ouh, bah, je vais en construire deux, tiens. Ce qui est important, c'est les bases d'interface. Interface 1, interface 2, enfin c'est les orbites basses. Parce que c'est elles, avec elles c'est elles qui peuvent interagir, je vais y arriver, avec la Terre. Donc là je vais m'en faire deux d'un coup, hein, fabriquer un module orbital. Tac. On va la renommer station Radarine. Hop, et on va la refaire. Alors, tac. Station Radarine 2. Arda, je vais y arriver, Arda Rune 2. Et donc c'est toujours énergique. Donc, station Arda Rune 2, je veux 1, 2, 3, 4 minimum. Je veux station de recherche sur les énergies. Énergie, 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 énergétique, ce qui coûte 32. 3, 4, 5. Donc je suis à plus de 150. Ok, donc deux systèmes de défense. Ça fait plus 16, et plus 16, je fais une petite ferme. Ou un dépôt d'approvisionnement. Ou un dépôt d'approvisionnement. Alors lui, ça coûte 0. Ouais, une petite. Est-ce que j'ai un dépôt d'approvisionnement?
en orbite basse. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'était ça. Oui. Non, spatioport. Ah bah, d'accord, mon spatioport est en orbite basse. Ok. J'ai pas mis un orbite extrême, moi. J'ai un peu des drôles d'idées parfois. Reprenons. Ardarine 2. Où es-tu ? Là. Donc, en orbite Terre basse, j'ai de quoi alimenter, mais je vais en faire une deuxième, du coup. Mais je verrai ça avec les autres, parce que celle-ci est plus complexe. Avec les centres de recherche qui coûtent 32, c'est plus compliqué. Donc je vais faire ça. Là, je suis à plus 6. C'est très bien. J'ai mes deux trucs de défense. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, tant qu'on est sur les stations. Donc j'en fais un deuxième en orbite Terre basse. Alors normalement, j'ai plus besoin véritablement de... J'ai plus besoin véritablement de station avec centre de recherche. Alors, je pourrais me faire un autre spatioport, mais à la limite, je vais me faire un autre spatioport en orbite extrême, mais c'est déjà à 8 sur 8. Moi, je vais me faire un deuxième spatioport. Donc, module orbital, tac. Alors, on est reparti. De l'énergie, niveau 2. 1, 2, 3, 4, minimum. Je veux 1, 2, 3, 4, 4 chantiers spatiaux minimum. Je veux 2 défenses minimum. J'en suis à plus 16. Donc, je peux me faire... Alors, sur le plus 16... Techniquement, j'ai pas besoin de refaire ça qui coûte plus d'entretien que ça. Donc je peux en refaire un autre ici. Et qu'est-ce que je veux faire comme dernier module? Est-ce que j'ai des nano-usines? Non. J'ai pas de nano-usines en orbite. Et c'est complètement débile. C'est complètement débile. Ah, on voit que j'ai fait ça au début de ma partie, moi. Une nano-usine. Ok. Donc ça, je vais le sauvegarder. Et ce sera... Spatio-terrestre. Puisque... Bah, mon deuxième spatioport terrestre. Je vais en faire 2D comme ça. Donc mon autre base similaire, mon autre spatioport qui est... Lequel mon autre spatioport? Tac, tac. Mon autre spatioport, Mangazor. Là, il faut d'ailleurs que je le renomme. Spatioport. Tac. Voilà. Bien. Ouais, revu pas mal de bases. Pas mal de stations et de bases durant cet épisode. I will help them. Alors, toi t'es où? T'es là et tu remontes. Hop, toi tu vas taper les plantes. Pium pium, 61%. Putain, c'est plus en plus compliqué. Guatemala, non. Hop. I have new information. Bien. Tu vas recommencer une deuxième fois. Une troisième fois. Hop, région détruite. Très très bien, bravo Pékin, merci à vous.
Ah, blocus. Très bien. Alors, qui est-ce qui a la meilleure? Tiens, toi là. Je t'ai vu la petite plante qui cherche à te cacher. Qu'est-ce qui... Ils sont en guerre contre qui? Blocus 9-8. Blocus 13-5. 0. 3-9. Liberté des mers pour la Chine. Mais... Elle a 3-9, ils ont 13-5. Je comprends pas. Normalement, c'est celui qui a la plus grosse liberté des mers qui... Mais je comprends pas. Hamburg. Mais j'en fous. Mais bordel! Enfin, tu me diras, il n'a pas de... Order is returning. Alors, il faut que je t'envoie en We're Chine, winning toi. their hearts and minds. Hop, Bucarest. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui, du coup? Élite manipulée, bah ouais. Attends, ça fait quoi, élite manipulée, déjà? Je sais plus. Il y a combien? 23 en sécurité, 25 en persuasion. We've neutralized their key people. Bien. Allez, 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 allez. Yes. Très bien. M'enterrer. Hop. Attaque. Kharkiv. Attaque. Je le déteste. Donc élite manipulée, hein, c'est le fait de prendre le contrôle. Heureusement que j'ai... Heureusement que j'ai les Our missions qui sont associates are censées rendre les now choses in plus dures. charge. Bon. Que c'est chaud, bordel. Bah tu sais quoi? Ah non, je suis toujours. Ah non, j'ai bien la liberté des mers. Ce que je vais faire, puisque j'ai vu. Mais pourquoi tu passes pas par la flotte? Trop de balles. Tu me diras. Hop. Allez vous écraser comme des cacas sur. Attends, non, plutôt lui. Hop. Non, les deux. On va plutôt aller faire s'écraser comme des cacas les armées qui ont de la marine. C'est nous les gars de la marine. Armée. Toi, tu es censé être à Glasgow. J'y comprends rien. T'es censé être à Berlin, mais t'es pas à Berlin. Troisième division. Où est la troisième division? Elle est à Berlin. Mais je vais regarder à Hambourg. Donc, là, c'est Saint-Martial. Voilà, ok. Bon. La bonne chose. Bien, allez. Oh merde, il faut que je défende la Chine aussi. Allez, je m'arrête là. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao, ciao!